Moi, Arsène, 7 ans, je vivais tranquillement entre mon père, ma mère Elisa, ma grande sœur Fatoumata et mon frère Rajiv. Jusqu'au jour où... Fatoumata, c'est à ton tour de faire la vaisselle. Non ! Comment ça, non ? Dépêche-toi, je veux pas que tu te couches tard. Non, j'en ai marre de me faire exploiter. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Fatoumata, je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de me fâcher. Lève-toi, s'il te plaît, et va faire la vaisselle. Non, je fais la grève. La grève ? Je ne ferai la vaisselle que si tu augmentes mon argent de poche. Et si Arsène est obligé de faire la vaisselle lui aussi ? Il est assez grand maintenant. Ah, t'as l'exploitation ! Des sous ! Non ! Grève de la vaisselle ! La guerre dans la maison était déclarée, mais maman préparait la riposte. Maman, demain c'est mercredi. Il est où mon maillot de foot ? Et moi j'ai cours de danse. Tu as lavé mon collant ? Je fais la grève de la lessive. Mais j'ai besoin de mon maillot. J'ai un match super important. Et moi je dois préparer le ballet de fin d'année. C'est bientôt. Oui, mais la grève, c'est la grève. Comment cette guerre sans merci va-t-elle se terminer ? À bas la vaisselle de Yann Mentz, une guerre qui nous concerne tous, un livre très drôle à lire, absolument.